Et coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Shein, mais pas comme d'habitude. Allez, si vous êtes prêts! J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un petit peu particulière. C'est aujourd'hui une commande Shein. Comme vous pouvez voir, le paquet, il est hyper gros, mais c'est pas le mien. Voilà, c'est le cadeau d'anniversaire de ma fille. Elle a bien accepté qu'on la filme et qu'on regarde avec elle. J'ai hâte de découvrir, j'espère que vous aussi. En tout cas, voilà. Alors, il y aura, sur certains vêtements, il y aura des essayages. Sur d'autres, certainement pas. Donc, ce qu'elle peut essayer, je le filmerai. Comme le maillot de bain, par exemple, on ne filmera pas. Je ne veux pas qu'on voie ma fille en maillot de bain. C'est clair et net. Donc, oui, voilà. Je coupe cette vidéo parce que je voulais juste vous faire une petite aparté au niveau de cette commande que j'avais passée pour l'anniversaire de ma fille. Et le fait qu'elle ait fait cette vidéo avec moi. Juste pour vous dire qu'elle est hyper complexée, que c'est pas simple. C'est que depuis quelques mois, entre la pilule et certains médicaments et tout ça, et je vous avais expliqué que ça allait pas trop l'année dernière, elle a pris pas mal de poids et elle se sent très très mal dans sa peau. Elle est vraiment pas bien. Et donc j'étais contente qu'elle veuille se rhabiller. C'est très douloureux pour elle, c'est une souffrance. Et elle a quand même fait cette vidéo, voilà, pour montrer qu'on pouvait quand même s'habiller, parce que c'est une personne, ma fille, c'est quand même quelqu'un de très coquette, voilà, qui aime et qui a besoin de renouveler son armoire. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas dire, voilà, elle mange trop ou quoi que ce soit, ce n'est pas forcément le cas. Des fois, c'est lié à des problèmes de santé, de mentalité, de plein de choses. Je voulais également dire que c'est pas parce qu'on a du poids qu'on ne peut pas être belle, qu'on ne peut pas prendre soin de soi, qu'on ne peut pas s'habiller, c'est important. Voilà, c'était juste pour avoir une indulgence, pas de critique, pas de tout ça. Parce que ça a été quand même compliqué de la faire cette vidéo, on l'a quand même fait, elle a vraiment pris sur elle. Elle voulait me faire plaisir, moi je voulais quand même vous faire passer ce message. Et voilà, ça me touche, c'est une vidéo qui me touche énormément. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça que voilà, je vous fais une petite coupure. Et de là, on reprend la vidéo. Et soyez juste bienveillants parce que c'est pas simple, mais pas que bienveillants envers cette vidéo, bienveillants envers toutes les personnes qui ont des soucis. Voilà, c'est pas une question, je le redis, il faut pas juger. C'est important, ne jugez pas les personnes. C'est pas des fois une question d'alimentation. Voilà, c'est peut-être souvent des questions, des problèmes liés santé, voilà, soucis de dans la tête, des choses comme ça, des cachets, des voilà, plein de choses. Donc voilà, mais je la remercie de tout cœur. Je compte sur votre soutien. Je compte justement, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ne serait-ce que pour encourager cette vidéo. C'est tout ce que je vous demande et ce sera énorme. Allez, on reprend la vidéo. Si cette vidéo est également susceptible de vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir, c'est gratuit, je remercie tous ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui le feront. T'as coincé Baise Nounours derrière le lit? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai coincé Nounours derrière le lit. Ah oui, puis on a changé de décor aussi, ça c'est l'environnement de ma princesse. Donc voilà, allez, on y go, on va ouvrir. Donc, premier vêtement qu'elle a pris, voilà, alors, chacun ses goûts, hein, chacun son style, donc voilà. Short en denim un petit peu, donc voilà, et ben écoutez, en tout cas il a l'air, ouais, il a les petits fils comme ça, franchement, et il sent pas mauvais du tout, garçon, non, il sent rien, donc ben écoutez, si on l'essaye, on met de suite. Du short, nickel, franchement, les franges, tout, il taille trop bien, regardez l'arrière, ah franchement c'est délire. Ah, ouais, ça fait son style, mais nickel, hein. Et puis vous n'êtes pas serré, même s'il n'y a pas d'élastique, tout ça, franchement, bah écoutez, canon. Bon, bah, alors, y a plus à savoir que dans sa commande, elle s'est pris 2 piges, hein. Je sais pas ce qu'elle est. Champignon. Petit débardeur comme ceci, regardez, c'est trop cute. Bien, Mimi. C'est le pyjama, ça? Ah putain, on dirait presque un jogging, non? Mais c'est un jogging. Ah non, bah c'est pas un pyjama. Enfin, ouais, c'est un pyjama. Voilà, comme ça, taille élastique. Donc, c'est des tailles quoi, XL, hein? Oui. XL, voilà.
Donc XL avec petit champignon. En tout cas, la matière, elle est hyper légère. Regardez. Voilà, froncé. Alors ça, eh ben écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, elle va être trop trop bien dedans. Je suis sûre que même, elle va le mettre dès ce soir. Ça, j'en suis Il y en a deux persuadée. pyjamas, donc tu vois. Oui, c'est pas faux. Eh ben écoutez, on Voilà note tout pour ce ça? qu'il en est du deuxième pyjama. Franchement, écoutez, il est super sympa. Voyez la matière, elle est légèrement côtelée, elle est extensive. Le bas de pantalon, c'est vraiment comme un bas de jogging, quoi. Comme je vous avais dit, vous avez vu, resserré à la taille. En plus, il est hyper extensible. Enfin, vous êtes super bien dedans. Voilà. Bicolore comme ça. Franchement. Sympa, et puis voilà. Comme on n'a pas trop trop fini encore l'hiver et tout, qu'il y a des moments frais, voilà, petit dessin. Enfin voilà, écoutez, petit pyjama assez sympa. Donc, nous avons aussi l'invité surprise hein, qui assiste. Allez, qu'est-ce que tu nous fais là? Bah, il commence à se coucher dessus. Allez, joue! Mon béret. Du coup, c'est un béret tout simple avec juste ça dedans. Vas-y. Comment est-ce que ça donne? Avec les cheveux mouillés, c'est pas très Elle est agréable. partie pour le service Ouais, militaire. faut juste que je vois comment le mettre, mais. Hop, ça va. Essayez. Ah, hop. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. T'éviteras de me le perdre cette fois-ci. Oui, pas de souci. Il est rikiki ce bandana. Donc elle s'est pris un petit bandana comme ceci pour mettre dans les cheveux, c'est Oui, ça? mais comment ça se met? Ah, bah comment ça se met? C'est tout con. Tu fais comme ça, Ouais. hop, et hop, tu le mets comme ça dans les cheveux. Voilà. Ok. Voilà. Et puis je vais finir décoiffée du coup. Je t'ai pas trop mal coiffée sur le début. Voilà. Et puis voilà ce que ça Voilà donne. avec ma robe. Voilà. Bon, allez, on C'est continue. Qu'est-ce juste que vous en ça. pensez? Finalement, c'est sympa. Oui, mais c'est le mien. Je sais même pas. Ouais, mais justement, je me disais, tiens, pourquoi pas m'en prendre un? Oh Oh, je kiffe. Hé, non. Ne t'inquiète pas, Mimi! cabaret. Hé! Il est en train de nous bouffer le béret, le chat. Ah, c'est pour elle avec la robe. Attends, le béret, on va le mettre par là parce que. C'est la robe? Elle est trop belle! On va vous Je montrer l'ai même pas ça. vu. Non, mais j'aime bien la couleur! Ah ouais! Bon, elle sera mieux vue portée, à mon Oui, c'est avis. sûr qu'elle sera mieux Mais. portée. Elle est froncée ici. Comme elle a une fermeture éclair toute là. Voilà, comme vous pouvez le voir. Regardez comme elle est trop belle. Oh, elle est souple, elle est légère, elle est grande, elle est magnifique. Je vais lui piquer. Non. Bon, elle a une légère odeur, mais sans plus. Après, c'est des vêtements Elle est neufs. trop, trop belle. Bah écoutez, ça, on va vous montrer porter parce que c'est trop, trop beau. Oh, je kiffe, elle est Tu trop comptes belle. l'enlever, Non, mon bébé? qu'est-ce que vous en pensez? Je le garde de l'autre. Non, ça va aller trop bien. C'est à moi. Oh, mince. Merde, je voulais le garder, je te jure, j'adorais du coup. Ouais, Merci. bah. Voilà ce qui concerne la robe. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on n'a pas pu vous la montrer, mais elle est fendue juste ici. Donc, elle est vraiment pas mal. Franchement, elle est super jolie. Resserré, froncé au niveau de la poitrine. Donc les lacets, vous pouvez ou les mettre derrière ou vous les froncer devant. Hein, ça, c'est chacun son goût. Au niveau des épaules, bah, c'est pareil. C'est comme vous le souhaitez. C'est froncé. Vous les mettez ou en bas ou en haut. C'est à votre convenance. Elle est hyper souple, hyper légère. Franchement, elle est vraiment bien. Elle taille hyper bien. Le petit bandeau que je voulais garder, mais qu'elle n'a pas voulu. Voilà. Ça lui va super bien aussi. En tout cas, voilà. Et puis, vous voyez, la matière, elle est très, très souple. Elle n'est pas du tout serrée ou quoi que ce soit. Mais cette petite fente, ouais, on ne l'avait pas vue tout à l'heure, mais elle est canon. Encore une fois, faites abstraction des chaussettes. Hein, on est bien d'accord. Je vous la montre de loin. Voilà ce que ça donne. C'est canon, canon, canon. Franchement. Le petit septum avec un serpent. Ouais, parce qu'elle s'est fait trouer le nez, hein. Allô. Heureusement. Ça fait hyper mal, moi je le ferai même pas. Je sais pas vous, dites-moi en Comment commentaire, tu veux mais. savoir si ça fait mal quand je Ah le non, parce que fais? je ne veux pas faire trouver le nez, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il mange Il lui? joue. Du coup. Je fais pas avec tes Ah doigts. c'est qu'on Ah voit oui. pas. Non mais dis donc, mes doigts sont propres. T'es chié là? C'est à moi. Ouais, juste que Oui, je soumets. t'inquiète pas, je veux pas te le piquer celui-là. Bon, je regarderai plus tard Oui, fais voir, comment je vais essayer de non, montrer pas quand même. touche. Ah mais attends, on donne parce que toi tu sais pas montrer. Voilà à quoi il ressemble. Vous voyez là? Ça va, je te dérange pas, Mimi. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Non mais sérieux, mais tu lui parlais ça qu'il va venir tard. Mon pull champignon. Pull?
Donc, vous voyez, elle m'a coûté une blinde pour son anniversaire, quand même. Oh, il est trop cute. Hein. Je me dirai pas. Par contre, il est hyper, hyper léger et hyper, hyper court, à mon avis. Putain, j'avais pas vu ça comme ça. Oh. Même avec un jean, c'est grave. Ah, ouais. Par contre, la matière, elle est hyper légère. Regardez les motifs, les broderies. Voilà. Avec un petit col roulé. Elle adore ça, les cols roulés. C'est étonnant, ça. Tu veux me laisser tranquille, je vais te tacler. Ah non, je ne les tacle pas. Je les trouve trop mimes. Tiens. Donc, on vous montre ça. Voilà pour ce qui est du pull, le champipic, comme elle disait. Regardez, ça fait trop, trop bien. Alors, regardez. Alors là, vous voyez, on a le champipic. Là, les manches, elles sont super bouffantes. Oh, elles sont classe. J'aime bien comment ça fait. Vous voyez, avec un jean taille haute, ça fait vraiment pas court. Et en plus, bon, après, comme je vous ai dit, la matière, elle est hyper fine. Ouais, mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve trop bien. En plus, avec le jean, finalement, ça choque pas. Bon, ça fait beaucoup de motifs, mais franchement, il est trop, trop beau. Bah écoute, ma puce, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ok, c'est oui. C'est validé. C'est bon. Je vais prendre cet été. Donc là, c'est le maillot de bain. Donc là, vous ne le verrez pas, mais alors, pas du tout porté. Il est... Oh, les choux! Alors, il y a deux petites coques dedans. Donc, il est rembourré. Hein. On va dire ça, oui. Ouais, il est légèrement rembourré. Les bretelles, elles sont réglables. Donc ça, c'est super sympa. Donc, elle a pris du vert. Hein. Vous savez, comme quoi, j'adore le vert, moi. Il n'y a pas d'autre couleur. Non, mais ça fait joli. Franchement, ça rend joli. Voilà. Donc ça, et puis bah la culotte, regardez comme elle est tressée ici, elle est super belle, j'ai hâte de te voir dedans quand même, mais que moi. Notre pyjama. Donc, nous avons droit au second pyjama. Des crânes. Ouh, c'est une matière un peu synthétique, satinée, voilà, donc bon, pour dormir, c'est sympa. Et le haut, waouh, sympa, trop trop bien. Ah, est-ce que ça te donne? Regardez là. Oh. T'as pas de sein, qu'est-ce que tu veux y mettre? Ah, donc. Voilà, voilà. Ça, petit pyjama. Sincèrement, bon, écoutez, ma fille, elle kiffe. Voilà ce que donne ce petit pyjama. C'est franchement, regardez. Bon, on va pas trop faire le focus, mais c'est super sympa. Et il est fluide. Il est franchement très, très à l'aise. Vas-y. Ouais. Eh ben, écoutez, pour être en mode cocooning, même l'été quand il fait chaud et tout, franchement, super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais franchement, il est quand même dépotent. J'adore. Oh, le pantalon. Zip, pantalon. Tu vas aimer la matière? Oui. Oh, super. Donc, voilà. Petit pantalon. Oh, il est hyper fin aussi. Par contre, il est fin. Hein. Oui. Non, non, mais c'est pour télé. Voilà, petit pantalon hyper fin. Hop. Évasé comme ça, vous savez, dans les pantalons un peu. Ça, je te dérange pas. C'est 70. Non, pardon, excuse-moi. Donc, resserré à la taille ici. Mais ouais, franchement, il est hyper, hyper fluide. Donc, je sais pas si vous allez voir. Attends, mais dis donc. Donc, voilà. Pour on montre. Pantalon à carreaux. Donc, il est hyper grand en bas. Par contre, vous pouvez constater qu'il est plus que large. Et il est très, très fluide. Très bien. Ça, je pense que, bah ouais, avec un débardeur. Ou... Ouais, franchement, c'est sympa. Donc, écoutez, comme vous pouvez le voir, c'est une matière hyper fluide et il retombe vachement, vous voyez, il retombe vachement finement sur le banc. Et ben voilà pour le pantalon. Ah, elle est classe. C'est quoi ça déjà? C'est une chemise, mais c'est surtout pour mettre en veste. Elle est belle. Ah oui, c'est une chemise qu'elle voulait prendre en veste. Waouh. Ah bah tu me la files. Elle vous la montre et après elle me refile après. Voilà, elle est hyper grande, hyper évasée, overside. Donc ça, vous la mettez avec un débardeur dessous, avec un jean. Elle est canon. Les manches, oh, elles sont mi-courtes. Bon, vous mettez maintenant. Ah, super. Mimi, là. Je le laisse. Donc voilà, on en finit là. Ah, le chat et le chat. Vous voyez, hein, des fois, quand je vous mets des shorts là-dessus. Et elle est pareille, toujours hyper, hyper fine. Donc, regardez la couleur. Franchement, bah écoutez, on vous montre tout. Là, regardez, c'est la chemise. Elle est oversize, vous avez dit. Regardez comme elle est grande. Ça va trop, trop bien. Elle est super belle. Je vous montre les motifs de près. Hop, regardez. Ah, elle est sympa. Vas-y, tente-toi. Regardez avec un crop top ou quoi. Ça rend super sympa. Franchement, elle est canon. Je ne sais
pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais elle est trop trop belle. Franchement, elle te va super bien, ma princesse. Elle te va trop trop bien. Ouais. Donc, nous avons accepté, dans la commande que je lui ai faite pour son anniversaire, elle a quand même pris un petit porte-clés pour son petit chéri. Hein. C'est marqué « Conduis prudemment, j'ai besoin de toi ici avec moi ». On peut le voir, non? Je l'ouvrirai pas. Ah d'accord. Et là, on peut le voir à travers le paquet. Donc, comme elle vous l'a dit, hein, conduis prudemment, hop, j'ai besoin de toi. C'est trop mimes, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, voilà. Robe. Encore une robe. À ma fille, il faut savoir qu'elle aime beaucoup les couleurs. Voilà. Oh, dis donc. Ça te plaît? T'es contente, là, jusque maintenant? Oui. C'est une longue, longue robe. Hein. On va avoir du mal à vous la montrer comme ça, mais portez, vous verrez mieux. Ouais, ça c'est clair. Donc pareil, c'est des... Alors vous la voyez, pas cette couleur-là. Voilà, vous la voyez un peu rouge, mais elle est plutôt ocre. Hein. Elle est... Sérieusement, je pense que vous la verrez mieux portée. Le tissu, il est comme ceci. Mais je vous assure, elle est pas rouge, rouge du tout. Par contre, on elle a est bordeaux. Ouais, elle est bordeaux ocre. Par contre, on a l'impression qu'elle est transparente. Et pareil, vous avez les bretelles comme ceci qui sont réglables. Elle est hyper hyper longue, donc il y a un le tissu, il est hyper fluide. À mon avis, j'ai hâte de voir porter. Et on a vraiment le jupon. Et pareil, il n'y a aucune odeur. Donc là, c'est vraiment... Ah, ben voilà, j'ai trouvé comment la mettre. Elle est comme ceci. Et l'arrière, vous voyez, il est... Mais de toute façon, on vous la montre portée parce que là, c'est plus délicat. Voilà, voilà. Voilà, en ce qui Allez. Concerne la robe. Alors là, je ne sais pas, vous voyez, on est en plein soleil. Peut-être que vous verrez la couleur vraiment comment elle est. Donc, elle est fendue, celle-ci. Mais alors, vraiment, vraiment fendue hein, de la taille. D'où, finalement, le jupon. Regardez comme elle est hyper longue, en fait. Ma fille, je sais pas, elle va aller au resto. Regardez l'arrière comme il est. Ça fait trop beau comme ça. Ouais, regardez. Voilà, ça fait super sympa. Donc, vous voyez, elle est hyper, mais vraiment, hein, tu peux... Voilà, si tu peux lever. Elle est hyper souple, hyper légère. Elle est juste canon. Vas-y. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez la régler au niveau des bretelles. Pour l'instant, on n'a vraiment rien réglé. Les chaussures sont pas du tout assorties. Mais elle est vraiment sympa, hein. Franchement... Tu peux regarde, voir le drapé, comment il est. Regardez comment c'est. Voilà. Elle est trop canon. Eh bien, t'es magnifique, ma fille. Voilà. Eh bien, écoutez. Regardez. Voilà, voilà. Par terre. Oh, je vous assure. Après, je vais mettre ça sans tout. Nous avons, oui, nous avons. Ouh, je pète à long. Jean. Waouh. Bah, dis donc. C'est quoi tous ces motifs, là? Ah ouais, c'est marqué quoi là? Papillon, mais pas tellement papillon, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bah hein. C'est remouillé après. Voilà, donc bon bah là c'est pareil. La matière elle est épaisse. Franchement. Bah c'est un jean quoi. Ouais, c'est un jean. Voilà. Par contre, la taille elle est pas du tout élastique. Hein. Voilà, c'est un jean, maman. Bah des fois, les deux jeans elles ont deux tenues. Non, c'est un jean. Oh. Par contre, voilà. Il pue un chouille quand même. Mais j'arrive pas à retourner le truc là. Là. Là, là. Et pareil, le bas hyper, hyper évasé. Donc pour mettre avec des grandes chaussures ou quoi. Donc, sympa. Bah écoutez, voilà. On en a fini avec la commande. Oui. C'est déjà pas mal. Et bah écoutez, on vous montre. Voilà ce que ça donne. Le pantalon. Donc regardez, il taille super bien. Les motifs. Regardez comment ça rend. Ça rend. Faites pas attention aux sucettes, là, vous voyez. Hein. Bon, Maïdon, tu nous fais la parade depuis tout à l'heure. Voilà, fais voir l'arrière, ma puce. Et il taille super bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi l'article que vous préférez, l'article que vous trouvez sympa. Voilà, bah écoutez, arrête de faire des bêtises, là. Non, t'es en train de... Elle est en train de saccager la vidéo, là, la fin de vidéo. Voilà, comme quoi, vous pouvez vous habiller de votre façon. Elle est en train de... Ah, t'es en train de me... Arrête le trépied, là, il va se ficher en l'air. Bah, t'engueuleras Mimi, hein. Bref, on va clôturer là, avant que tout se casse la gueule. Enfin, je voulais dire, voilà, vous vous habillez comme vous le sentez. Vous voyez, vous en avez pour tous les goûts. Comme quoi, on n'a vraiment pas les mêmes goûts. Par contre, le petit bandeau, là, j'adore. Hein. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Allez, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Que bah voilà, cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite. En attendant, comme je vous le dis souvent, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. Nous, on vous fait plein, 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 plein de bisous. Bye bye.